Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf, à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. Bon, c'est l'heure d'y aller. Ouais, prends tes affaires. C'était quoi ça? Allez, Walker, prends tes affaires, il faut partir d'ici. Je sécurise la porte. Putain, Lily, il était pour moi. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orphelin. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok. Alors on fonce dans le tas. Allez! On y va! J'arrive! Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. On arrive. Lily est avec moi. Jersey est mobilisé pour avertir les autres camps. Ils doivent être informés. On va pas rigoler, alors. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. Je déconne pas. Alors on y va. On va aller se chercher une jolie médaille. Maman nous attend dans la cour. C'est là que ça castagne le plus. Allez,
n'est pas pour nous tuer. Un grand. Oh putain. Un ranger. C'est pas n'importe lequel. Il lui a arraché la tête. Adieu, Ranger Jersey. Il s'en remettra pas avec un pansement. C'est à moi de jouer maintenant. L'armure est à moi. Et pas. Putain. Maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais! C'est encore mieux que ce que je pensais! J'arrive. Hey Walker, le sergent Daron a besoin de toi dans la cour. Magnifique. Jalouse, Lily? Ah ouais, et pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune ranger de l'histoire. Sans ces conneries de nanotrique. Thank you.
en approche. Chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle. Surtout pour Lily. Elle m'a recueilli à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'un orphelin sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport. Viens là. C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. Quoi ce bordel ? J'ai jamais vu un truc aussi gros ! On va pas le rater ! Impossible. Mais je l'ai tué ! Le général Cross ! Je veux la première génération ! Tuez tout le reste ! Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique. Notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux garnements comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue, ou si elle a raison, mais si c'est le cas, je le laisserai pas faire. Reste ici ! Je te donne un ordre !
Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez. Attends. Oh putain. Putain. J'étais plus dans les vapes. Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. C'était le général Cross. Il... Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité... J'y ai jamais vraiment cru. Ben si. Et on doit faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers, aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Ils les gardaient dans le Presidio. J'ai des Rangers? C'est malade. Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh, merde. Mais ouais, t'as raison. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, Prolet. Unité des crapahuteurs. Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur... Sur le sergent d'unité de Ranger, Ervina Prolet. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. Elle est peut-être morte, mais elle me donne toujours des ordres. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'Arche 401A. Alors je dois juste mettre ma main là-dedans
Et croiser les doigts. Hein, attention les yeux. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'Arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Bien. Encore une fois. Et encore. Beau travail. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Le bras. Reviens dans le hall principal. J'ai d'autres informations pour toi. C'est bizarre de recevoir des ordres de ma tante morte. Voilà ta première idée intronisation. Tu verras, il y en aura d'autres. Il existe encore beaucoup d'arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes les ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'autorité. Mais tu auras besoin d'aide, d'alliés. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons, des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. À la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avons lancé le projet DAG. Il a été conçu dans le but d'éradiquer l'autorité, une fois pour toutes. Nous savions qu'elle n'allait pas disparaître comme ça malgré ses pertes. Et nous savions que le général Cross possédait une technologie qui lui permettait d'approcher quelque chose ressemblant à l'immortalité. Le projet d'Ag fut abandonné lorsque Vineland s'isola du monde extérieur. Mais une sorte de pacte demeura entre les trois fondateurs originaux et moi-même. Tout d'abord, John Marshall de Gunbarrel, un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie et de l'espionnage autant que lui. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de l'autorité. Ensuite, vient l'Ouzo Magar de Wellspring, fille du héros de guerre Zanagar. C'est une ancienne combattante devenue maire de la plus grande ville du Wasteland. Sa capacité à se procurer des véhicules militaires te sera indispensable. Et pour finir, le docteur Anton Kvasir. C'est un ancien scientifique de l'autorité qui a rejoint la résistance. C'est un génie en matière de nanotrite et de mutation. Le projet DAG repose sur ses compétences. Tu voudras en apprendre plus durant ton voyage. Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions. Bonne chance, Ranger Walker. Bordel. Tu pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître, hein, tant de prolet. Bon, bah... Je suppose que c'est à moi de jouer maintenant.
Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Gvasir et Luzum Agar. Ils font tous partie du projet DAG, un plan élaboré pour arrêter l'autorité. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais. Même depuis l'au-delà, ta mère, elle déconne pas. Trop tôt, Walker. Désolé, Lily. Mais bon, je suis prêt à explorer le Wasteland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Viens me voir. Alors, t'as trouvé quoi ? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Ta survie en dépend. On va commencer par ta caisse. On a d'autres projets qui pourraient nous aider. Toi, tu dois être en forme. Et moi, je dois ramener un semblant d'ordre à Vineland. Avec un peu de chance, tes trois contacts du projet DAG te proposeront la même chose. Parce que ça te fera vraiment pas de mal de t'endurcir avant d'affronter l'autorité. Merci pour le conseil. Bon allez, j'y vais. Le monde dehors, c'est pas de la rigolade, alors fais attention. Et va pas foutre le bordel. T'es un ranger maintenant. Comporte-toi comme tel. Oh, et John Marshall de Gunbarrel est ton contact le plus proche. Tu devrais commencer par là. Fais gaffe, on a besoin de toi. Eh ben, regardez un peu qui voilà. Ranger, c'est ça? Je suis Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi? La route est barrée, et pas par une main innocente. C'est une embuscade à tous les coups. Ouais. Essaie de débloquer ce truc. Intégrité à 90%. Thank you.
complètement surfait, les barrages. La voie est libre. Ouais, l'Alliance va adorer. Terminer l'installation de l'idée intronisation destruction.
Elle vous permettra de libérer une puissante force cinétique qui enlèvera les armures et déplacera ennemis et objets devant vous. Débordait de matos incroyables. Ouais, je sais. Je suis complètement jalouse, là. Alors, tu n'attends pas trop, tu veux ? Puissiez-vous guider l'humanité vers un nouveau départ, Ranger Walker. Walker. Désolé, bébé. Plus de balance, Doc. Il y a un genre de grosse tour dressée juste là. Il y a écrit autorité dessus. Ça m'a tout l'air. Plus de munitions. Désolé, bébé. Plus de balance stock. Thank you.
plus de munitions. Désolé, bébé. Plus de balance stock. Plus de munitions. Désolé, bébé. Plus de balance stock. C'est un poste de bandits, mais on dirait qu'ils transportent du carburant. C'est une station de ravitaillement. Elle remplit les réservoirs pour leur convoi et leur raid. Détruire tout. Thank you.
carburant part en fumée. Littéralement. J'aurais aimé y être pour voir ces colonnes de fumée noire dans le ciel. Aligner la monnaie ou du balai. Vous êtes au garage de Griff et moi c'est Elgar. Les noms ça m'emmerde, alors vous embêtez pas à vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Artek, hein? Toutes ces merdes vont vous coûter une blinde. Ça encombre votre tas de boue pour rien. Pourquoi vous me prenez la tête? Aucun remboursement. Demain. J'ai fini. Ranger, Walker. Le Stanley Express est là pour accompagner tous vos besoins. On va y aller. Voici vos messages. Hey, vous avez l'air balèze. Vous direz vous salir les mains? Casser des crânes? Dégommer des mutants à la pelle? Ce genre de choses? Pas intéressé. Je cherche John Marshall. Ah ouais, eh ben, il se trouve que c'est lui qui cherche une fine gâchette. On a un problème de mutants à Gunbarrel. On peut rien faire tant qu'on n'a pas réglé cette putain d'infestation. Ouais, on verra. Il est où? Il est au tir à blanc, comme d'habitude. Vous le raterez pas. Vieux, plein de cicatrices, méchant, jambes bioniques, œil bionique.
Le genre mi-homme, mi-robot, vous voyez? Je vais aller voir. Oh, et écoutez pas le faux robot d'accueil. Il essayait son pizza là, si vous changez un bouillie à bâche. Enfin, vous voulez reprendre le bar avec votre vomi. Pile le bon moment pour revenir à Gunbarrel, pas vrai, Ranger? On patauge littéralement dans la merde. Et un Ranger débarque après nous avoir ignorés pendant des... Adios. Elle est juste là. Allez, soyez pas timide. J'ai jamais vu votre trogne par ici. Moi, c'est la frappe. On vous a peut-être parlé de moi? J'ai tout ce qu'il vous faut ici. Et j'ai pas peur de faire affaire avec des gars de Vineland. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, vos fringues, elles passent pas inaperçues. Les uniformes comme ça, c'est que pour les rangers. À bientôt!